Bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier Rainbow du jour. Aujourd'hui, nous allons réaliser un porte-clés Infinity comme celui-ci. Pour réaliser ce porte-clés Infinity, vous aurez besoin de 42 élastiques de la couleur de votre choix. Vous n'aurez pas besoin de plaquettes, vous aurez besoin simplement de votre crochet ou d'un crayon ou d'un stylo ou même d'un bâton. Si vous voulez, juste d'un support, un petit support rond. Donc je vais commencer par prendre donc mes petits élastiques. Donc je vais le faire orange clair. Vous allez venir ici prendre un élastique, vous le passez à l'intérieur du crochet, vous mettez votre pouce, vous faites un tour, vous revenez, encore un et vous lâchez pour qu'il y ait 3 fois. Vous prenez deux élastiques, vous mettez dans le crochet, vous passez ici à l'intérieur pour que les boucles se placent au milieu et la partie que vous avez sur le pouce ici, vous la ramenez sur le crochet. Voilà. Donc on recommence. Donc toujours par deux élastiques, on passe les boucles jusqu'au milieu et la partie qu'on a dans le pouce, on la ramène sur le crochet. Et donc on va faire ça 10 fois. Donc là on en a notre deuxième fois. Troisième fois. Quatrième fois. Cinquième. Voilà, vous voyez, ça fait une tresse en fait. Donc on en est bien à 5. Six. 7, 8, 9 et 10. Une fois que vous avez fait les 10 fois, voilà. Donc on recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Une fois que vous avez vos 10 fois 2 élastiques, vous allez venir mettre ici la boucle de l'élastique du début dans le crochet. Voilà. Vous passez à travers. Voilà. Vous reprenez 2 élastiques. Vous placez sur votre crochet et ici vous allez venir passer uniquement la boucle. Voilà, la partie que vous avez sur le pouce, vous le ramenez comme ceci et vous faites de nouveau 10 fois 2 élastiques. Donc là on en est à 2, c'est la deuxième fois. 2, 3, 4. Sept,
Alors après, vous pouvez le faire avec moins d'élastique hein, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire que du moment que ça soit symétrique, après vous pouvez le faire plus ou moins gros. Il vous suffit juste de mettre le même nombre de mailles de chaque côté de l'élastique capuchon pour que vous obteniez un infini du même volume à gauche et à droite. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et encore une fois, et 10, voilà. Une fois que vous avez fait les 10 mailles de chaque côté, donc voilà ce que ça donne. Hein. Ici, vous allez venir prendre un seul élastique que vous allez placer sur le crochet. Vous allez passer donc de nouveau les deux mailles, voilà. Et la partie que vous avez dans le pouce, vous allez venir la ramener ici sur le crochet. Et vous pouvez enlever votre crochet, mais par contre, vous gardez bien dans la main la petite boucle ici qui reste. Vous la gardez bien dans la main. Et le crochet, vous allez venir le passer dans l'élastique ici du milieu. Vous voyez qu'il forme un rond, il est différent des autres. Vous allez venir passer le crochet à travers. Et les deux élastiques, enfin les deux boucles, vous allez les mettre sur le crochet de nouveau, voilà. Pour venir en fait former un S. Voilà. Une fois que vous avez terminé, vous allez, avec votre crochet, passer les deux élastiques à l'intérieur de la boucle centrale. Comme je vais le faire ici. Donc, tirez un petit peu. Ici, tirez un petit peu. Passez. Voilà. Comme ceci. Et une fois que vous êtes ici, vous allez retirer un seul, une seule des deux boucles. Une seule des deux boucles, voilà. Et la partie que là je touche avec mon pouce, vous allez venir la passer par-dessus voilà, ici. Et on fait encore la même chose. Voilà, pour venir. Et la partie que l'on garde dans le pouce, on la ramène sur le crochet. Voilà. Voilà. Comme ça. Et après, il suffit de passer la partie la plus basse de la boucle par-dessus. Ici, voilà. Comme ceci. Vous venez tirer. Bien place au milieu. Et voilà. Vous obtenez un signe infinity. Donc vous pouvez enlever le crochet, vous placez un peu mieux vos élastiques. Et voilà, vous obtenez un joli signe infinity. Voilà. Et voilà, je vous retrouve très vite pour un nouvel atelier. À bientôt !